Hey hey, salutations les kikis! J'ai le plaisir de vous retrouver sur Streets of Rage, un jeu qui date de 1991 les kikis. Un jeu de baston à l'ancienne, hein, à l'ancienne et pas à l'assiette. Un jeu de beat'em all qui était tout simplement extraordinaire parce que vous pouviez jouer à deux. Là je vous montre un peu la démo qui a lieu en ce moment même. Vous pouviez jouer à deux et vous créer des combos là puissants. Vous avez la possibilité de faire des attaques spéciales avec la police qui débarque, vos amis flics. Et oui, quand vous avez des contacts dans la police, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Pour rester dans le thème, vous pouviez casser des cabines téléphoniques, récupérer des poulets, rien à voir avec ce que j'évoquais précédemment. Bref, c'est un jeu complètement what the fuck, man. Nous sommes trois anciens flics qui voulons résoudre les problèmes de délinquance dans notre charmante ville. Et pour ce faire, nous avons le choix entre trois personnages, donc deux hommes et une fille. Mon âme d'enfant, d'ado, prépubère, puceau, tout ce que vous voulez, excité par la vie, fait que je vais rester fidèle à mes habitudes d'antan et je jouais toujours Blaze, qui me faisait ses petits clins d'œil affriolants. Et du coup, je vais rester dans cette ligne de conduite. Il faut savoir que chacun a son petit coup un peu spécial. Je crois que Blaze et Adam ont une attaque spéciale similaire, tandis qu'Axel, vu que c'est le personnage principal, lui c'est carrément la police qui arrivait, comme vous l'avez vu dans le passage précédent, avec une sorte de Gatling là, ou de, je sais pas, de Panzerwerfer de l'époque, et qui bombardait toute la zone. Ce jeu est en deux dimensions, j'avais très envie depuis un moment de réaliser une petite série rétro gaming sur les jeux qui ont bercé mon enfance et qui m'ont fait kiffer, vibrer, tout ce que vous voulez. Donc bien évidemment pour ceux de mon époque qui voient cette vidéo, j'espère que vous allez adorer façon Marty McFly, le retour vers le futur du passé, du présent, du passé antérieur, du subjonctif présent. Vous allez vivre un beau moment, je l'espère, pendant les 30 prochaines minutes. Tandis que pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce jeu et qui se disent « Mon Dieu, c'est quoi ces gros pixels de partout ?» Eh ben oui, vous pouvez constater que la société du jeu vidéo a énormément évolué et que les progrès techniques ont été assez monstrueux. Mais à l'époque, ceci, c'était un jeu, mais moi, c'est un de mes coups de cœur. J'en parle souvent à mes frères, je dis « Mais si, putain, c'est un jeu là où vous cassez les cabines téléphoniques !» Bref, le petit... comment dire, l'enfant révolté qui est en toi et qui sommeille en toi peut prendre un plaisir monstrueux à retrouver ce jeu. C'est parti! Plongeons, c'est dur à dire, dans le passé en tous ensemble. Alors il y a des petits combos, c'est un jeu en deux dimensions, je vous le disais, vous pouvez simplement aussi bouger, c'est un deux dimensions et demi puisque vous pouvez aller à droite, à gauche, monter et descendre sur ce plan. Mais en tout cas, ouf, putain, ça commence mal. Je me fais défoncer. Vous pouviez sauter, donner des coups de pied, faire des high kicks façon Patrice Evra, face au supporter marseillais insolent envers lui-même. Ouch. En face, bien évidemment, vous avez des personnages un peu loufoques. C'est une satire de la société, j'imagine. Que le réalisateur du jeu avait un problème avec un membre de sa famille rouquin où lui-même était roux et il ne l'assumait pas, j'en sais rien, il y a un putain de racisme anti-roux. Ils sont quasiment tous rouquins, bordel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? C'est quoi ces clichés, bordel de merde? En quoi les rouquins sont plus violents? Ou alors c'est carrément le message, les rouquins sont un danger pour la société. À mon avis, c'était pas politiquement correct du tout à l'époque. Quand j'étais petit, je m'en rendais pas compte du tout, mais là ça me choque. Ok, lui carrément il sort de la boutique. Oh. Ah, non. Mais je vais te mettre des coups de pied retournés dans la tronche. Ah, ça va, lui. Oh putain, le coup de... le tacle à la... Le tacle à la Dimeco, tu vas me le payer ça. Vous voyez, moi ça c'est ma botte spéciale, vous pouvez le faire une fois par vie. Là il m'a mis en mode vénère. J'avais envie de le défoncer comme ça. Il m'a fait un tacle à la gorge façon Dimeco. Très violent. Vous voyez que je vous ai pas menti. Alors dans les cabines téléphoniques, c'est plutôt what the fuck. Oh, vous pouvez trouver soit des pommes pour le côté 5 fruits et légumes par jour, ou alors pour le côté de la pomme d'Adam et Ève. Hop. Soit carrément des armes, comme ici. Vous voyez cette bouteille
Oh putain, alors plus vous faites tomber vos armes sans les utiliser, plus elles vont disparaître vite, voilà. Je suis en train de me faire défoncer en vrai. Cassez-vous, plus vous tuez de personnes, plus vous avez des chances d'avoir un bonus. Alors, il y a un temps là qui est en train de se dérouler, donc je suis obligé d'avancer assez vite. Si je reste trop longtemps au même endroit, dans le même niveau, il va se terminer. Cassez-vous. En gros, j'ai un peu ce problème-là de me débarrasser rapidement de mes adversaires. Oh putain, il y a le chevalier du dragon. Je me souviens pas, c'est épique. Oh, il ressemble pas trop à Shiryu. Il faut regarder dans son dos, voir si son dragon il est en train de disparaître. Oh, vraiment ça. Oui, tiens, mange-toi ça dans les coucougnettes là. Tiens. Attends, j'ai changé la batte. Elle fait un son, on dirait Yogi dans... le petit dragon dans Mario, quand il bouffe justement les pommes. D'ailleurs, ça serait pas étonnant qu'il ait pris une influence par là. Après, honnêtement, je me souviens pas à quel moment est sorti le premier Mario ou compagnie, hein, donc j'en sais. J'en sais rien du tout. Mais venez là, arrêtez de me fuir. La principale difficulté, c'est ça. Et quand vous avez une batte de baseball ou carrément un tuyau là, vous êtes. Oh putain, je l'ai perdu. Oui, tiens, va voir ailleurs si j'y suis. Oh le salaud. Et tiens, coup de pied retourné. Oh putain, c'est quoi ça? Je me souviens. Oh, j'ai pris son couteau et je l'ai jeté comme un con. Elle est carrément SM, elle, la chasseuse de félins, la dresseuse du cirque Bender là. Casse-toi de là. Et la sœur aussi là. Oh, ça y est, j'ai pris le poulet là. Je sais pas si vous avez vu, c'était un poulet. Ouf, j'ai esquivé. C'était limite. Alors, après chaque niveau, vous avez énormément de niveaux. Et après chaque niveau, vous avez un boss de fin. Et alors là, ils sont tous plus épiques que... Oh putain, je me suis pris un coup de fouet. Plus épiques les uns que les autres. Ouf. Et tiens, tu m'auras pas, casse-toi. Tiens, viens aussi toi. Oh. Elle me saoule. Donc le plus dur, c'est de jouer sur plusieurs plans comme ça. Les boss valent le détour, vous allez en voir un. La musique a changé. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un couteau que tu as, c'est un sabre à canne là. Oh tiens, mange-toi ça. Il est grand. Hein. Le loupard, tu sais. Oh, ce coup de pied qu'il m'a mis là. Un peu de respect, bordel. Je vais voir si j'ai mon attaque spéciale. Non, je l'ai pas. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le chevalier du boomerang. C'est épique. C'est le premier qui a inventé le couteau boomerang. Ah non, mais c'est moi qui ai halluciné. C'est un vrai boomerang. Oh putain, il m'a tué. J'ai perdu une vie là, vous voyez. Bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, je vais pouvoir prendre mon attaque spéciale sur le boss. Et tiens, ça va te réveiller les papilles. Putain, je n'oserais avoir une pensée pour Monsieur Jérémy, qui se reconnaîtra si jamais il voit cette vidéo. On est dans un jeu qui s'appelle Street of Rage, et j'ai le chevalier du boomerang en face de moi. Tout coïncide pour ceux qui ont suivi l'affaire. Allez, laisse-toi. Oh putain, là, j'étais passé de l'autre côté, j'ai réussi à l'achever, je crois. Yes, GG la famille. Easy GK in the place. Alors c'est un jeu vraiment what the fuck, mais alors qu'est-ce que j'ai pu prendre de plaisir à jouer. Je vous avoue, mon kiff ultime, ça serait de vous le présenter en jouant avec deux personnages. L'idéal, ça serait cela. Malheureusement, Océane n'est pas disponible puisque nous avons notre petit bébé et qu'elle me laisse le temps de jouer pendant que... Oh, j'ai ripé. Là, j'ai fait le grand. Elle me laisse le temps de jouer pendant que je suis tout simplement... pendant qu'elle s'en occupe. Je vais essayer d'apprendre à parler français. Bon là j'ai complètement raté mon tir, hein, je devais... parce que les touches sont très très proches, c'est QSD là sur mon clavier qui correspond à ABC sur un QWERTY je pense. Et donc si jamais, vu que David est en région parisienne au même endroit que moi, bon, là, il est en vacances mais quand il reviendra, si jamais j'arrive à le faire venir jouer, on enregistrera un let's play à deux, parce que franchement j'ai des souvenirs incroyables à plusieurs, c'est vraiment le kiff ultime.
D'ailleurs, cette série rétro gaming, je la dois à Rome Station, qui me permet, qui est un logiciel qui vous permet de, justement de rejouer à des jeux de console ou rétro gaming qui ont complètement disparu des services, ou alors tout simplement qui sont encore qui ne sont trouvables que par des collectionneurs, quoi, tout simplement. Donc là, vous avez accès à des jeux de Game Boy, vous avez des accès à des jeux de comment ça s'appelle, de Sega, de Mega Drive, de hop, de Super Nintendo. Hop, j'ai pris son couteau, nickel. Allez, faut que j'avance là, nickel. Donc n'hésitez pas à me donner vos influences, vos choix. Si vous avez des idées... Oh putain merde, il se trompe d'arme. Si vous avez des idées de jeux que vous voulez me voir tester, n'hésitez pas, vous m'en parlez et j'essaierai de voir si je peux me les procurer. La liste de jeux est complètement ahurissante. Mais viens par là, là, tu vois pas que j'ai besoin de... Tu vois pas que j'ai besoin d'avancer là? Oh le salaud. Ouais, j'ai chopé une vie, nickel. Viens par là ma coquine. Et tiens le combo. Là ils sont nombreux, là par exemple, vous voyez, ouf, il m'a éjecté. Là par exemple le combo de... Ah putain le salaud. Je vais pas perdre la vie que je viens d'avoir, non? Oh, qu'est-ce qu'il est bon lui! T'arrêtes! Alors vous comprenez aisément là quand vous voyez ce type de scène pourquoi je choisissais la fille en gros pervers que j'étais déjà à l'époque. Ces scènes affriolantes étaient là pour émoustiller les petits garçons que nous étions. Alors oui, à l'époque on peut comparer... Oh, putain, je vais prendre le tuyau. On peut comparer ça un petit peu à du GTA, à du Grand Theft Auto que nous avons maintenant. Parce que c'était quand même violent pour l'époque, là vous voyez quand même, prendre des couteaux et attaquer les gens au couteau. Je trouve que c'était quand même un peu limite avec le recul. Yes, la petite pomme qui fait du bien. Chevalier du dragon, dégage de là. Maître Yoda va t'apprendre les bonnes manières. Je dis ça parce que son vieux maître là... Oh, il est habile lui. Son vieux maître, c'est Maître Yoda. Hein. Il ressemble comme deux gouttes d'eau. On est pas sur le même plan. Tiens, casse-toi. Allez, barrez-vous tous de là. Oh putain, qu'est-ce que c'est lui, oh, oh putain, c'est du feu là, non? On est d'accord. Ah, j'arrive pas à l'atteindre. Putain, je sens que ça va être compliqué là de lui. De le buter. Ah si, c'est bon là, j'ai réussi. J'ai une porte d'entrée, mais même pas, je te lâche. Et tiens, dans le dos. Ah, vous voyez, ça brûle. Enfin, ouh, belle esquive. Ouh, le petit combo là, ça faisait du bien. Who's next? Allez, go. Allez, faut que je fasse gaffe, j'ai presque plus de vie. Tiens, coup de couteau. Oh, ce que j'ai mis. Et tiens, coup de pied latéral. Je suis la petite fille de Patrice. Ah oh, merde, putain, je les aime pas par contre ceux-là. Oui, le poulet. Prends le poulet, prends le poulet. Oh yes. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh lui, carrément, il a... Qu'est-ce qu'il a, lui? CDH qu'il a. Putain, par contre, j'ai pas de... Ah là, il commence à être nombreux, là. Là, je commence à en chier. Oh, tiens, toi, va te briser les cervicales, là-bas, là. Ah, merde, putain, elle m'a fouetté. Séance de sadomasochisme, par là. Là, j'avoue, là, le combo des... Ouh, faut que j'esquive ça. Allez, nickel. Les bruitages étaient quand même exceptionnels. J'adore la bande son, je sais pas si vous l'entendez. J'ai été obligé de baisser un peu parce que, honnêtement, elle était. Mais tu. Ah, oh, putain.
Ils sont difficilement approchables ceux-là, je les aime pas trop eux. J'ai qu'une angoisse, c'est qu'ils me balancent CH. Yes, nickel. Merde. Ah bah nickel. J'ai réussi à lui repousser. Ah merde, lui il m'a eu en plein vol. Allez, viens par là. Les cracheurs de feu, c'est plus d'époque là. Ah, je me suis brûlé, putain, fuck. Allez. Alors là, je te lâche pas. Ah si, j'ai lâché. Putain. Allez, c'est bon, je l'ai eu. Nickel. Who's next? Oh putain, c'est un nouveau boss. Qu'est-ce que je vais avoir là cette fois? Oh, c'est Wolverine! C'est le Wolverine du pauvre! Oh, tiens, Wolverine! Hein. Bouge pas, je te fais ma tactique spéciale. Alors là, elle, c'est quand même une tactique vraiment spéciale. C'est-à-dire, c'est le Panzer Shrek, balle incendiaire, rotative à l'atterrissage. Putain. Ah ouais, non, il est dangereux lui. Il a des bras, ils font. Ah putain, dès qu'il me touche. Ah, j'ai perdu 2 vies déjà. Ah, chaque fois qu'il revient, je peux balancer mon pouvoir de super boss. Je vais le faire sans m'en priver. Allez, tiens. Il meurt aussi bien que Marion Cotillard dans Batman. Oh! Il m'a fait une technique à la façon Naruto, là. Ah, putain, mais qu'est-ce qu'il a des grands bras, là. Tiens, donne-moi ton arme, là. Ah ouais, non, mais... J'ai vu mourir comme un loser. Tiens, sauvez-moi, s'il vous plaît, mes contacts. Appelle le 29, là, les flics. Allez, pourvu que ça le tue. Yes. Merci, mes potos. Ouh, j'en ai chié, quand même, dans ce stage numéro 2. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'étais pas frais, là. J'ai fait un bon stage où j'ai gardé 4 vies, et à la fin, je me suis fait avoir par Wolverine... X-Men contre X-Girl, j'étais pas bien. C'était... Oh, bord de mer, nickel. Alors j'espère que vous prenez un kiff monstrueux à revoir ce petit jeu pour ceux qui le connaissaient. Et que ceux qui ne le connaissaient pas encore vont avoir envie de télécharger tout ça. Parce que... Ouh, je te finis à la batte, moi. Viens par là, on dirait la Lucille de Negan. Oh non, il va me la casser. Oh, la pluie comme elle est mal faite. Et là. Oui, c'est bon ça. Nickel. Alors l'avantage, comme vous le voyez dans la première démo, c'est qu'il y en a un qui peut tenir, quand vous jouez à deux, il y en a un qui peut tenir l'adversaire pendant que l'autre l'enchaîne. Alors, vous pouvez aussi vous répartir les armes, parce que vous voyez que là, il y a plusieurs armes. Putain, ah non, j'ai balancé le couteau. Oh putain, oh il m'a tué là-dessus. Oh. Ah ça va, je peux continuer. Fou, j'ai eu l'angoisse. Bien sûr, je vais continuer. Ah, elle m'a fait peur. Par contre, j'ai l'impression que j'en ai... C'est pas infini. Ah, il me fait quand même mal, lui. Hein. Allez, va te faire une teinture. Qu'est-ce qu'il... Dommage que je puisse pas ramasser, là. Ramasse. Bon, pas le temps d'aller se baigner, là. Oh, on dirait Dalsim. Street Fighter. Tiens, je suis vénère là, vous m'avez fait perdre une vie là. Petite pomme. Oh putain, heureusement elle allait balancer son coup de fouet. Et tiens, casse-toi un peu d'argent là. Alors, je sais pas à quoi ça me sert, est-ce que je peux acheter des armes après avec ou... Attends, là ils sont nombreux, il faut disperser la foule. Carrément, il vient directement sur le bord de mer lui. L'arrêt sur image était magique. Oh, je peux ramasser l'arme. Celle-là, c'est vraiment un préféré. Ah. Ah. Tu vas me le payer, toi, là.
Le problème c'est qu'il m'a cassé mon arme. Il m'a cassé mon délire là. Allez, on avance. Tiens, dans la tronche, dans l'œil. Je te fais l'autre, comme ça t'es borgne des deux yeux. En clair, t'es aveugle. Oh les frères Chiryu là. Comment je t'ai fait une esquive. Tiens. Oh là là. Oh, ils sont énervés. Oh, je les ai esquivés. Oh, qu'est-ce qu'ils ont. C'est le gang des Chiryu. Oh, je t'ai fait la double esquive. Là, je vais perdre, je vais mourir. Ah ouais, non mais... Ah, vous savez quoi, faites les malins, regardez, faites les malins. Hop. Restez bien groupir, là. Tu vas voir ce que tu vas manger dans ta tronche. Par le coup de poing du dragon. Et franchement, on est au niveau normal, mais... En difficile, ça doit vraiment être... Ça va vous étonner, mais... Difficile. Yes. Toi, je t'emmène en arrière. Hop, je récupère le couteau. On avance. Il faut que je gère le chrono aussi. C'est ça qui est stressant. Un peu de pluie. Tiens, viens, entre mecs qui avons des couteaux, on va se comprendre. Oh putain. Batte de baseball, batte de baseball. Oh non. Tiens, cassez-vous là tout. Ah, ce jeu est d'une violence, j'adore. N'empêche, quand tu penses que je jouais à ça quand j'étais tout minot. Bon, après, ça va, c'est loin maintenant de ce que t'as avec... Y a pas de sang, y a pas de... Mais quand même, le message est un petit peu violent. Comme sa coupe de cheveux, elle m'irrite. Ah, ça sent le boss. À qui va-t-on avoir droit? Oh putain, c'est Rocky Balboa. Hop, direct, j'ai fait appel à mes copains. New York Police Department, go. Mais tiens, est-ce que c'est la vie du Go Boss là, justement, en dessous? Oh non, mais j'arrive pas à le frapper lui. Ah si, quand même. Tiens, mange. Et tiens. Oh, donc il fonce en bulldozer là. Oh non, mais laisse tomber, on attaque pas les filles par derrière quand même. C'est coquin en plus. Ah, se précipite vers moi. Bouge pas de là. L'arme du lâche, tu sais. Et tiens, normalement je l'ai fini et je récupère même le couteau. Who's next? J'espère que je garde le couteau pour la saison suivante. Alors c'est bien parce qu'en plus, à chaque fois que vous changez d'environnement, plus vous avancez, plus il y a des personnages différents que vous devez affronter, plus vous avez de possibilités d'armes aussi, de combos, de choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, quand je dis de combos, c'est... Non, j'ai pas gardé mon arme. Quand je dis de combo, c'est combo avec les armes, hein, parce que je crois pas qu'ils apprennent d'autres techniques en cours de route. Un coup à droite, un coup à gauche, on fait du French cancan. Et tiens, et toi va là-bas. Et toi aussi, là je suis en train de m'énerver. Et toi, brisage de nuque. J'ai pas le temps pour tes conneries. Ça t'a pas suffi, tiens, dans les ins. Elle, ça devait être la big boss des... du cirque Pender là, puisque elle était en noir carrément. Ou alors c'est la veuve noire. Ceci explique cela. Et tiens. Oh, pas mal ça. Wow, c'est pas Dalsim, c'est le gros dans Street Fighter qui avait des enchaînements comme ça là. Je sais plus comment il s'appelait lui. La 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 la. Il faisait des bruits comme ça. Bon, je le fais moins bien. Mais... Ah, je crois que je peux tomber dans le trou, alors faut que je fasse gaffe. Je vais pas le tester là, parce que j'ai pas envie de mourir. Oui. Oh. Il m'a attrapé, lui. T'arrêtes avec tes coups de couteau, là, t'en as combien, là? Tiens, va voir ailleurs si je suis.
Ouais. J'ai découvert la petite pomme qui va peut-être me sauver. Oh, oh, oh. C'est... Là, c'est Chun-Li, là. Vous vous souvenez de Chun-Li? Okay, yes. Ça va vous étonner, mais c'est celle-là que je choisissais aussi. Tiens. Écoute, le couteau. Oh, merde, ça. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a la batte. Elle m'intéresse, ta batte. Oh, non, 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 non. Tiens. Voilà. Ah, attendez, je me pose, j'arrive. Désolé pour l'interruption, vous le savez, ceux qui me connaissent savent que j'ai 40 millions de livraisons pour le petit. Hop! C'est pas le moment que je perde mon arme. Est-ce que je peux le faire tomber dedans peut-être? En tout cas, il se fait moins le malin. Hein? Tu m'approches plus avec tes flammes, hein? Ouh! Oh là là! Ah, génial! J'avais pas fait gaffe que je pouvais casser ça aussi. Oula, oula. Ah non, ils m'ont cassé le délire. Hashtag police, go. Oh, 17 en plus. Il y a le 17 sur le côté, là. Oula. J'ai fait la totale, j'ai balancé le couteau et tout de suite j'ai mis un coup. Bon, malheureusement j'ai raté le type, bien évidemment, ça vous étonne qu'à moitié. Vous voyez, j'étais à 26 secondes quand même, hein, ça craint. Hein. Oh, le poulet. Oh, tu m'intéresses. Ah, dommage là que ça n'est pas amoché. Tiens, casse-toi. Oh, il avance, mais n'importe nawak avec son couteau. Priorité. Ah, arrête de me balancer là. Tiens. Mais je voudrais essayer de voir s'il vient par là. Je voulais essayer de le balancer dedans, mais... Oh putain, dommage, j'ai raté mon enchaînement. Je vais mourir. Et voilà, tu retombes sur le dos et là c'est le drame. Je sais pas pourquoi il me fait. Il arrive tout le temps à me faire une prise celui-là. Oh putain. Je fais deux cabrioles et je me retrouve coincé. Mais lâche-moi là, la team des frères Bogdanov là. Oh putain. Et je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais je voulais le dire tout à l'heure. Dans la team lose, il y avait... Allez, cassez-vous. Dans la team lose, dans les hobbies de chaque personnage... Oh putain, il y a un boss. C'est lequel cette fois? Oh putain, c'était mon préféré, lui! Enfin, mon préféré. Le plus dangereux aussi. Il y a un mec, il a comme hobby bonsaï. Il s'occupe de bonsaï, le type. Voilà ta passion dans la vie. Alors, celui-là, c'était mon préféré, celui dont je me souviens le plus. Pas mon préféré à affronter. Hein. Je vais me débarrasser. Des mecs comme ça. Alors, attends, parce que du coup, il va faire son truc circulaire. Voilà, il faut le changer de côté. C'est celui qui m'avait marqué. Ah, oh, punaise le... Ah ouais, d'accord, il m'a tué en une fois là. Bon, il faut vaincre le feu par le feu. J'espère qu'il va pas me prendre là d'ailleurs dans son sillage.
Oh là 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 là, ouais, faut absolument que j'esquive ça. Et tiens, un coup de couteau avant qu'il ait le temps. Oh là 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 là, là je suis dans l'embarras là. Et tiens! Est-ce que je l'ai eu? Ah non, j'ai pas eu, bordel! Faut que je lui passe dans le dos alors. Yes, je l'ai eu! Coup de pied dans l'œil, les kiki! Coup de pied dans l'œil, toi-même tu sais! Et bim! Les points qui nous arrivent! Bon, carrément, voilà, on est à bord d'un bateau, les kiki. Mais on va s'arrêter là pour cette première session de rétro gaming. Alors, j'ai plein d'autres idées de jeux en tête. J'en ai téléchargé plusieurs. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui se poseraient la question de savoir comment j'ai fait, que vous avez accès à une plateforme qui s'appelle ROM Station. Rien à voir avec ceux qui sont aux abords des feux, quoi qu'on les embrasse au passage. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de récupérer des jeux rétro gaming de l'époque, justement, d'un peu toutes les époques, même parfois ça remonte à très très loin. C'est plutôt bien fait. Je vois que même d'ailleurs, ça faisait quelques années que j'avais pas repris ce système. Ils se sont encore améliorés. Il y a même la possibilité de faire des petits lives ou de jouer en ligne avec des gens. Donc ça m'a l'air vraiment vraiment pas mal. Je voulais absolument ouvrir cette page rétro gaming sur ce jeu qui a marqué vraiment mon enfance. J'étais fan de chez fan, tout ce que vous voulez. Même Pascal Obispo n'aurait pas chanté mieux que moi là-dessus. J'avais vraiment à cœur de vous remontrer ça. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, pour ceux qui diraient ouais, attends, je vais lui mettre un pouce rouge dans la tronche parce que moi je suis là que pour COH. Calme-toi Roger, calme-toi. Il y a plus de 1000 et quelques. On est presque à 1200 vidéos là. T'as de quoi faire et ça ne veut en aucun cas dire que je ne ferai plus de COH. C'est juste des petites vidéos comme ça, détentes de temps en temps. Je vous avais dit, je crois dans une vidéo récemment, je crois que c'est quand j'ai joué sur le jeu Limbo, que j'avais l'intention justement de chercher des petits jeux pour la chaîne, parce que maintenant que le petit forcément occupe une place très importante dans ma vie, j'ai moins de créneaux pour COH, même si j'arrive à m'en débloquer parce qu'Océane l'allaite et que ça nous, pendant qu'il est en allaitement, ça me laisse le temps moi de jouer. En revanche, voilà, j'ai joué comme organiser des KRT plus aussi souvent qu'avant, déjà que j'en faisais pas énormément, mais des lives ou autres, c'est un petit peu plus compliqué de prévoir quelque chose, sachant que mon fils aura toujours la priorité sur vous, vous le comprendrez bien. Ça me paraît normal, sinon je serais un père indigne. Donc voilà, c'est des petits jeux comme ça qui me permettent en une petite demi-heure, voilà, de faire un petit, une petite vidéo souvenir et prendre du bon temps sur une époque qui quand même, pour tous ceux qui sont nés dans les années 80, ont bien marqué nos esprits, et c'était une révolution à l'époque ce type de jeu, c'était génial, on se régalait à jouer là-dessus. Alors je vous rappelle que sur cette plateforme vous pouvez retrouver donc Super Nintendo, la GameCube, la Super NES, vous avez Mega Drive, vous avez tout un tas de consoles de jeux qui ont bercé notre enfance, et donc de jeux qui datent de cette période et qui nous manquent parfois, qu'on est content de retrouver quand il le passe en HD, et qui là, ça fait vraiment plaisir de le retrouver. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous encourager avec un maximum de pouces bleus et à nous dire bah tiens putain, moi je jouais à ce jeu quand j'étais petit, ou je jouais plutôt à celui-là, est-ce que tu pourrais faire un petit épisode consacré à celui-là? Si je le trouve et que j'arrive à le récupérer, c'est tout bénef. J'ai plein d'autres surprises pour vous, donc restez bien vigilants aux vidéos qui vont sortir prochainement. Ciao, bye bye, la bise les kiki, je vous embrasse et allez l'OM, puisque nous sommes en finale au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que quand vous allez la regarder demain, et que si on l'a perdu contre l'Atletico, vous allez vous foutre de ma gueule, mais c'est pas grave, on est en finale et on est heureux d'y être. Ça aussi, l'OM, passion, vous savez, de la EZGK. Ciao, bye bye les kiki, la bise.